Monsieur le Premier ministre, hier, le chef de l'État, lors de la conférence de soutien à l'Ukraine, organisée dans l'urgence, a annoncé aux déboutés que l'envoi de troupes en Ukraine n'est pas exclu et qu'il serait mis en place une coalition de missiles à longue portée visant à frapper la Russie dans la profondeur. Cette déclaration improvisée, prononcée avec légèreté, comme si son auteur n'en mesurait pas toute la portée, sonne comme une fuite en avant militariste totalement irresponsable. Depuis 2 ans, les députés du groupe GDR dénoncent sans ambiguïté l'invasion illégale de l'Ukraine par la Russie et en appellent à déployer des moyens diplomatiques pour trouver une solution pacifique. Après plus de 700 jours de guerre, l'évolution de la situation montre qu'en dépit de l'aide militaire fournie à l'Ukraine, l'escalade de la guerre n'a apporté de réponse ni à l'aspiration des Ukrainiens à vivre libre en sécurité, ni à la nécessité de rétablir la paix dans cette partie de l'Europe. Pire, les risques d'engrenage et de généralisation du conflit sont plus importants que jamais. Après certaines déclarations britanniques et allemandes qui nous demandent de nous préparer à une guerre européenne à brève échéance, après la signature d'un accord militaire entre la France et l'Ukraine, lourdes conséquences, nous ne pouvons que nous inquiéter face à cette déclaration belliciste du président qui nous entraîne dans une escalade guerrière dangereuse pour le continent. À rebours des va-t-en-guerre, nous exigeons que la France prenne en responsabilité la tête en Europe d'une coalition pour la paix, une coalition pour la paix sous l'égide des Nations Unies. Pourquoi, Monsieur le Premier ministre, pourquoi ne pas proposer cette voie pour mettre fin à cette guerre ? Je vous remercie, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Chassaigne. La première mobilisation du Président de la République s'agissant de l'agression de l'Ukraine par la Russie, et chacun s'en souvient, c'était d'abord une mobilisation diplomatique pour chercher à convaincre Vladimir Poutine de renoncer à ses plans. Il s'est rendu sur place, d'autres chefs d'État européens aussi. L'Union européenne elle-même, à l'initiative de la France et d'autres pays, est intervenue. Malheureusement, la Russie a attaqué l'Ukraine. Vous dites qu'après 2 ans de conflit, après que les pays européens et d'autres alliés aient soutenu l'Ukraine militairement pour tenir, les Ukrainiens ne vivent toujours pas en sécurité et en paix. C'est un fait. Mais ce qui est certain, c'est que si nous n'avions pas soutenu les Ukrainiens depuis 2 ans, probablement qu'ils n'auraient pas pu tenir. Et qu'ils ne vivraient pas du tout, ni en sécurité, ni en paix, ni librement, puisque la Russie aurait pris le contrôle de cet État souverain et de cette démocratie. Parce que c'est aussi ça qui se joue, finalement. Ce qui se joue, c'est la volonté d'un État autoritaire de faire entrer dans nos esprits que la démocratie rimerait avec faiblesse, que l'État de droit rimerait avec indécision. En nous battant pour soutenir les Ukrainiens face à l'agresseur russe, nous nous battons aussi pour défendre nos valeurs, notre modèle démocratique et l'État de droit. Et vous l'avez dit vous-même, Monsieur Chassaigne, vous avez rappelé les déclarations, notamment de responsables politiques allemands et britanniques, sur les craintes qui sont les leurs. Je rappelais tout à l'heure le choix qui a été fait par la Suède, la Finlande, de rejoindre l'OTAN, alors même qu'elles l'ont toujours refusé au départ. C'est bien parce que chacun est convaincu que derrière l'Ukraine, c'est nous. Et que si nous acceptons que la Russie prenne le contrôle de l'Ukraine, demain, ça pourrait être des pays membres de l'Union européenne et peut-être nous. Moi, je le dis, je n'ai pas envie que ma génération et celles qui suivront grandissent avec l'idée que la loi du plus fort peut à nouveau s'appliquer en géopolitique sur la planète. Moi, je n'ai pas envie que ma génération et les générations ultérieures se disent qu'un État autoritaire peut prendre le contrôle d'un État démocratique par la force et par les armes. Et donc, je le dis, non seulement j'assume, mais je suis fier que la France ait un président de la République qui, depuis le début de cette guerre, a cru dans la capacité des Ukrainiens à résister, ce qui n'était pas le cas dans l'ensemble du spectre politique français à l'époque. Il faut s'en souvenir, où on entendait d'éminents responsables politiques nous expliquer que l'armée ukrainienne ne tiendrait pas quelques semaines ou quelques mois. Nous avons cru en eux, le président de la République a cru en eux, nous les avons soutenus. 2 ans après,
La guerre est toujours là, mais deux ans après, les Ukrainiens sont toujours debout.